Salut, salut et bienvenue sur cette chaîne. Si tu es de nouveau sur la chaîne, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles publications. Les amis, dans cette vidéo, nous allons voir comment vérifier si un téléphone est original ou pas. Ce sujet aussi est très très important. Pour vérifier si votre téléphone est original ou pas, la première des choses, vous devrez d'abord vérifier d'abord le numéro email du portable. Pour trouver le numéro email, j'ai déjà fait cette vidéo sur ma chaîne. Vous tapez étoile 10 06 10 et vous allez avoir le numéro email qui compte de 15 chiffres. Vous allez prendre ces 15 chiffres là et vous venez sur ce site IMEI Info. Lorsque vous arrivez sur ce site IMEI Info, vous allez taper sur la vérification par le site IMEI Info. Sur le site que vous voyez ici, lorsque vous cliquez sur le site, vous allez tout simplement remplir, par exemple, les 15 chiffres du téléphone que vous tenez en main. Vous allez remplir les 15 chiffres du numéro email du téléphone que vous tenez en main. En fonction de ça, vous allez pouvoir savoir s'il est original ou pas. Moi, je tiens un téléphone ici. Je vais essayer de remplir le numéro email qui est là. C'est le 35 ici. Voilà, je remplis. Ainsi de suite, suivez. Donc, je continue. Donc, 61 qui suit. 65. OK. Donc, 907. Voilà, c'est un portable ITEL. Donc, maintenant, lorsque je finis de remplir email, je vais taper sur vérifier. Et on va patienter. Donc, on va patienter pour la vérification parce que cela dépendra du réseau. Vous pouvez poser ici aussi, je ne suis pas un robot, parce qu'il faut d'abord confirmer que vous n'êtes pas un robot avant de pouvoir continuer la vérification. On va patienter vu à la connexion. Ici, on nous demande de sélectionner des choses qui prouvent que nous ne sommes pas des robots. Et si on voit ici, on a dit de cliquer et cliquez sur tout ce qui est du clavier. Donc, on va respecter. Voilà. Et après ça, on va taper vérifier. Voilà. C'est confirmé que je ne suis pas un robot. Alors, je peux aller maintenant checker pour voir si mon portable est original ou pas. Donc, suivez attentivement. Donc, parce que cela dépendra aussi de votre connexion. Si la connexion est très fiable, ça va répondre si vite. Donc, je crois que la réponse est déjà là. On dit que c'est ITEL P33. Vous voyez, voici les informations du portable qui commencent à tomber. Donc, vous allez vérifier ça correctement. Ici, vous voyez, le type de smartphone, c'est sorti en 2019. Voilà, vous voyez. Donc, vous allez suivre toutes ces informations de pas à pas, tout son poids, etc. Et voici l'appareil même qui est là, les amis. Donc, alors que si c'est un téléphone qui n'est pas original, quand vous allez essayer de checker, vous n'aurez pas de résultat. Vous n'aurez toujours pas de résultat. Ce qui va vous dire que le téléphone n'est pas original. Voilà, il est copié. Quand il est copié, on ne peut pas trouver ces informations sur le site IMEI Info. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, dire dans les commentaires. Si vous avez aussi trouvé d'autres moyens de vérification, laissez cela dans les commentaires, ça peut être utile pour ceux qui nous suivent. Merci.